Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu du nom de Within Deep Sorrow. Alors non, ça va pas être un playthrough complet, hein. Non, je vais... C'est juste un jeu qui traînait depuis des plombes, mais vraiment des plombes, dans mon dossier de jeu. En fait, c'est pour vous dire, ça faisait tellement longtemps que je l'ai que ça fait depuis que j'avais ma Nvidia GeForce 301. Hein, sur ma toute ancienne config Acer. J'avais essayé d'y jouer, mais ça tournait pas très très bien, faut dire. Bon, alors on va appuyer sur Play. En 1994, une présence démoniaque est entrée dans une différente dimension. Les rêves. Monsieur Johnston Barker en a souffert de ce monstrueux démon. Pestering within him, je sais pas ce que ça veut dire. Il n'avait pas le choix, mais à part faire face à ses peurs. Et on to seek to work this nightmare. Bonjour. Pourquoi je peux pas bouger ni en haut ni en bas? Attendez. Waouh, il y a des bruits charmants. Je comprends rien avec ton effet de merde sur ta voix, mec. Parle sans effet à la con. Pourquoi je peux pas bouger la tête ni en haut ni en bas? Presse E. Ah, Z, Z, Z. D'accord. Alors, nous sommes en 1958 dans l'école de Saint-William. Bon à savoir! Est-ce que je peux courir? Ouais, je me rappelle, j'avais essayé de faire tourner ce jeu sur mon ancienne config et j'avais absolument aucun moyen de le faire. Mais rien. Je veux dire, ça tournait pas, c'était trop puissant, il n'y avait pas moyen de régler les graphismes, alors j'avais abandonné. Et aujourd'hui, ben avec ma super GeForce GTX 770, et ben du coup je peux. Alors je suis... Ouh, il y avait une lumière là-haut. Ouh, il y avait une lumière, je l'ai vu, hein. Attention. Gaffe. Ok, on peut pas ouvrir ici visiblement. Donc ouais, c'est un jeu d'horreur. Hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il y a une vieille poubelle. Il y a des bugs ou c'est moi qui vois des trucs dans le coin de l'œil là? Genre là, cette lumière elle est allumée, hein, je suis pas fou. Une autre poubelle ici. Il n'y a pas moyen de courir visiblement. Ah bah je peux sauter avec contrôle. Attendez voir. Pourquoi contrôle? Presse E, pourquoi? Pourquoi je repressais E? J'ai pas eu à presser E. Alors j'ai gagné un paperclip. Je sais pas vraiment à quoi ça va me servir, mais j'en ai gagné un. En gros, un trombone. Si vous préférez. Alors, j'ai gagné un trombone. Je sais pas si le trombone va me permettre d'ouvrir la porte. Je crois encore un trombone est plus important que le reste, mais... Oh, attends, comment ça marche? Et... Ok. D'accord, c'est aussi bête que ça. Alors, on va rentrer dans l'école. Bon, après, je joue juste pour vous montrer un peu ce que c'est le jeu. Hein. Je vais pas faire le jeu en entier. Ouais, pourquoi je suis assommé? Pourquoi je vois rien? Hello? Y'a quelqu'un? Ouh, t'as l'air charmant, toi. Ok, d'accord. Vous rassurez-vous, c'est moi qui ouvre les portes. Hein.
Oh, j'ai trouvé des piles. J'ai entendu une porte s'ouvrir, je suis pas con. Comment je fais pour mettre tes piles dans la lampe de poche? Ah. On se calme sur les bruits bizarres. Ok. Qu'est-ce que ça fout là, ce truc là? Bon, ce qui fait chier, c'est que la lampe de poche, elle suit pas mon regard. C'est-à-dire que si je regarde en haut, elle regardera toujours droit en face. Je peux pas ouvrir ici. Toi aussi, t'as l'air charmant, hein. Vous avez tous l'air extrêmement charmant ici. Ok, je sais pas ce que c'est ces bruits, je m'en fous un peu. Oh. Un terrain de basket. Un vieux terrain de basket. Qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que je vais me faire sauvagement assassiner? Oh, il y a des jolis bugs d'ombre, hein, par contre. Bon, en même temps, c'est un jeu indé, hein. Non, mais il n'y a rien ici, hein. Il n'y a rien. Je savais pas qu'on faisait des terrains de basket en intérieur, d'ailleurs. Je les ai toujours vus à l'extérieur. Ok. Ça a allumé la lumière. Je crois. Je crois que ça a allumé la lumière. J'en sais rien. On va aller par là. On va aller voir ce qui se passe dans ce monde merveilleux rempli d'amour et de bisounours. Oh, il y a un signe sur le mur. Ok. Bonjour. Quelque chose là-dedans? Ouais, il y a le dessin d'un mec pendu. Et je peux pas aller là-dedans. C'est comme ça que je peux regarder en haut en fait, il faut que je saute. Alors sautons. Non. Bah y'a rien. Je sais pas, ce jeu il a pas l'air d'avoir grand chose pour lui hein, de ce que je vois. Je suis déjà bloqué au bout de 2 minutes de jeu. C'est pas exactement le signe d'un bon jeu en général ça. En plus je peux pas pousser très très loin parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps là. Je veux dire dans 10 minutes je dois partir au travail. Alors faut vraiment que je me speed le cul pour trouver quelque chose. Bon par ici on sait qu'il n'y a rien. Ah mais attendez, je peux sauter, donc du coup je peux sauter par dessus ces machins. Heureusement que j'ai découvert que contrôle permettait de sauter. Attends, c'était fermé ici avant. Non attends. Putain, est-ce que ce jeu est en train de se foutre de ma gueule là? Apparemment hein. Hello? Il y a quelque chose là-dedans? Non. Non, il n'y a rien. Hein. C'est encore un de ces jours où on peut ouvrir que le premier tiroir. Allez, mais... Oh, me saute par-dessus, s'il te plaît. Ah, oh, même moi, j'y arriverai. Puis je suis pas un héros de jeu vidéo. Et bon, on va retourner en arrière. Là où il y avait notre fameux terrain de basket. Essayer de sauter par-dessus des obstacles, je sais pas. Je suis allé par là déjà. Il me semble pas. Je vois quelque chose qui clignote là-bas au fond. Mais avec cette lampe de poche qui ne suit pas les mouvements de la tête de mon personnage, c'est pas facile. Oh, on va laisser une trace ici. Très très jolie trace de griffe, je dois dire. Est-ce que j'ai entendu un bébé pleurer dans le jeu ou est-ce que c'était chez moi? Je me pose la question parce que c'est des enfants chez moi actuellement. Ah, ok, j'ai retrouvé le terrain de basket, c'est cool. Ah ah. Je dois dire que ce jeu d'horreur, il est passionnant, hein. Je crève de peur.
C'est... Waouh. Ouh là là. Ouh là là, j'ai peur d'avancer. Oh là là, je n'ose pas y aller. Mon Dieu. Qu'est-ce qui m'attend plus loin? Non, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien, il a rien pour lui ce jeu. Non ouais, je sens que ça va être une solution évidente du genre menace bande, il fallait regarder le trou de machin, de choses. Mais voilà, on n'a pas forcément tous 50 ans pour faire une vidéo, hein. Bon, je suppose qu'il y a quelque chose à faire dans cette room avec des fusibles. Ouais, il y a à faire rentrer des lampes de poche dans les murs. Ça c'est bien à faire, ouais. Tu veux bien éteindre la lumière, s'il te plaît? Tu veux bien sauter partout comme un crétin? Ah oui, ces petites caisses-là, t'arrives à monter dessus. Regardez-moi ce rebord, il est dessus, là. Là. Mes pieds sont techniquement pas du tout sur la caisse, mais il est dessus. Pourquoi contrôle? Le bouton de saut contrôle, je comprends pas ça. Bon, j'ai peut-être loupé quelque chose sur les bancs, là, non? Non, non, mais y a rien, je veux dire. Vous faites d'affreux cauchemars, vous êtes dans une école vide où il se passe rien et où vous êtes perdu. Wouhou! Tout à fait. Est-ce que mon jeu est en train de bugger ou quoi? Ok, j'entends une respiration, moi je m'en fous un peu. Ok, je sais pas du tout ce qui s'est passé là. C'est pas moi qui ai ajouté un effet pour faire qu'il se passe quelque chose dans la vidéo. Non, non, le jeu a juste décidé en random comme ça qu'il allait se passer quelque chose dans la vidéo. Ah, tiens, il y a un livre là, j'avais pas vu. Un livre qui sert à rien, tu mets un livre unique. 2 plus 2 égale 4, 2 plus 3 égale 5, 2 plus 4 égale 6. Wouah, on apprend des maths avec ce jeu. Et... Hello? Quelqu'un? Bon, j'en déduis que je dois retourner au terrain de basket. Je suppose, il s'est passé quelque chose là-bas. C'est rien, hein, c'est... C'est une théorie. Non, y a rien à part ma lampe de poche qui apparaît. Y a des jolis bugs d'ombre, hein, regardez-moi ça. Je me recule et pouf! Il savait pas trop faire un dégradé de lumière, le mec, mais bon, c'est pas grave, hein. Non, je vous avouerai que je suis complètement paumé, hein. Au cas où ça se verrait pas, je suis paumé. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il y a toujours la fameux tableau avec une trace de griffe. Non, je vois pas. Je vois pas. Je suis déjà passé par là avant. Bah oui. Ah oui, je suis déjà passé par là avant. Non? Ah bah tiens, c'est l'entrée. C'est là où j'aurais dû me retrouver à la base en entrant dans l'école, hein, d'ailleurs. Tu pourras ouvrir la porte avec un bruit un peu moins... Je veux dire un peu plus vite quoi. Ça pourrait révéler une salle vide. Hello. Je confonds toujours ça avec des kits de soins quoi. Bonjour madame, attendez je viens vous voir de plus près. Ouais bon bah je peux juste sauter pour vous voir de plus près hein. Johnston Barker. Ouais, c'est moi. Je suppose. Je peux pas sauter par-dessus ces saloperies. Vas-y, je saute limite jusqu'au plafond et puis... Non, il y a un mur invisible. Je déteste ça. Un putain de mur invisible. Non, mais je te jure. Le mec, il avait 50 trucs à mettre ici pour m'empêcher de passer. Il a mis un mur invisible. Bordel.
Ouais, ça fait des petits bruits pour me faire peur, ça marche pas. Bon là, ok, d'accord, j'ai peut-être un peu peur. Peut-être. Bon, y a des portes que j'avais pas vues, allons les voir. Je peux pas aller par là. Et je peux pas aller par là. Ça résout le problème, je suis de nouveau paumé en fait. Je peux pas aller par là. Bah ouais, toujours une trace de griffe ici. Et vous savez quoi, on va s'arrêter là parce que là je sais absolument pas quoi faire dans ce jeu. Donc voilà, si vous voulez l'essayer par vous-même, hein, le lien est dans la description de la vidéo, vous gênez pas, mais je vous avertis, il vous faut une configuration quand même plus ou moins puissante. Donc voilà. Sur ce. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter si elle vous a plu et de la mettre en favori, tout ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, bye. Ah putain, elles les ont foutues. Chier. C'était absolument pas obligatoire de remettre ces merdes. Ah. J'avais pas envie de les combattre ces machins, moi. Voilà, je fais que passer. Si. Oh, j'ai trouvé la technique maintenant, hein. Il me résiste plus très longtemps. Enfin, c'est bon, j'arrive au bout, là. Non, c'était par là, la scène vivante. Ouais, ça devait être par là. Quasiment certain.